Good morgen, allez, Iden les tutres aujourd'hui, le Nishmat, Chaya Esther, Bat Myriam, et Lir Fouat, Olivier Israël, Shimon Ben Chaya Esther, Hamshat Myriam, Bat Rosanana, et Benjamin Ben Chibiba, si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, qu'on appelle 5 minutes éternelles, nous étudions Maserat Shabbat, Perikut Tetet, Mishnah Bet. Osin Kol Tzorke Mila Be Shabbat, Mohalin, Uporin, Umotzetzin, Venotnin, Aleha, Isplanit, Vekamun. ואם לא שחק מערב שבת, לא אס בשיניו ונותן. אם לא טרף יין ושמן מערב שבת, ינתן זה בעצמו וזה בעצמו. ואין עושים לה חלוק לכתחילה, אבל כורך עליה סמרטוט. אם לא התקין מערב שבת, כורך על אצבעו ומביא, ואפילו מחצר אחרת. רפל דה למשנה פרסדנט, parce que notre Mishnah va maintenant détailler la vie de Rabbi Akiva, qu'on découvrait la généralité dans la Mishnah présente. Rabbi Akiva nous enseignait tout ce que tu pouvais faire depuis avant Shabbat, c'est-à-dire, d'abord, excusez-moi, le Brit Mila, il repousse Shabbat lorsqu'il est fait Bismano, un Brit Mila qui est fait le 8e jour après la naissance, alors ça repousse le Shabbat. Maintenant, les préparatifs du Brit Mila ne repoussent pas le Shabbat, mais tout le nécessaire au Brit Mila lui-même qu'on ne pouvait pas faire depuis la veille, alors là, dans ce cas-là, donc, la Torah nous a dit, quand la Torah t'a dit tu fais le Brit Mila, elle t'a dit tu fais le Brit Mila et tout ce qu'il faut pour faire le Brit Mila. Donc tout ce qui est nécessaire pour conclure, pour finir et parfaire la Brit Mila, alors ça repousse le Shabbat. Donc la Mishnah va maintenant démarrer en me disant quoi précisément? En me disant tout d'abord, Osin Kol Tzorke Mila Shabbat, tu as le droit de faire tout le nécessaire pour le Brit Mila lui-même pour Shabbat. Mohalin, bien évidemment, tu as le droit de couper. Ou pour In. Tu es poréa, ça veut dire découvrir que tu retournes la peau. Et on explique très rapidement, parce qu'on va en avoir besoin, d'abord juste pour savoir, c'est la différence entre le Brit Mila des Juifs et des Arabes. Les Brit Mila, ils font le Brit Mila sans la prière. Les Arabes, ils font le Brit Mila sans la prière. Les Juifs, on fait le Brit Mila avec la prière. C'est-à-dire, on coupe le bout, c'est une peau, il y a le membre qui a une peau qui vient, qui se rabat dessus. Excusez-moi. Cette peau-là, on la coupe. Et puis après, on la retourne, et on la fixe, on la bloque pour qu'elle se soude derrière. C'est ce qu'on fait la prière, pour que la atara soit complètement découverte, c'est-à-dire le bout du membre, il doit être tout entièrement, entièrement dévoilé, découvert. D'accord? Ce qu'on appelle l'atara en hébreu, c'est la couronne, parce que il y a une blita, il y a un rebord comme une couronne qui est dévoilée, alors que quelqu'un qui n'a pas fait le Brit Mila, ou bien qui a fait la prière, mais sans la prima, sans la, qui a fait le brit, qui a coupé comme les arabes, qui a coupé, mais qui n'a pas fait ensuite, qui n'a pas retourné la peau, il a la peau qui va venir, qui va, malgré tout, même si la peau ne va plus recouvrir le membre, elle va recouvrir malgré tout le début de la tara. Chez les juifs, on fait la brit, krita, le brit mila, mohalin, et puis après on fait la priya. Priya, ça veut dire qu'on découvre, donc le gland, c'est la tara. Et voilà, ça c'est la prière, et après donc quand on a fini la prière, il faut la fixer avec un pansement, et de manière à ce que ça va se souder. Ok, entre parenthèses, il y a des problèmes fréquents, c'est des choses qui peuvent arriver des fois, que la peau va avec le temps recouvrir un petit peu le membre, et va recouvrir un petit peu. Si c'est le cas, ce produit, il faut repartir vers un moelle pour qu'il répare la Brit Mila. Même si ça peut, l'agma évoque des cas de personnes un peu fortes, qui peuvent avoir du gras qui va faire que maintenant la mila elle va être couverte. La peau va revenir sur la tara, sur le gland. Dans ce cas-là, il faut réparer la mila. Ça sent en parenthèse parce que c'est un problème qui peut exister. Ça peut exister même chez les enfants. C'est pas que le moelle il a mal fait son travail. Parfois, le moelle il a bien fait le travail, mais je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est, on m'a mis récemment au courant que c'était quelque chose de fréquent. Et voilà. Maintenant, je reprends en tout cas le cours du cours. Et, excusez-moi. Il y a Mohalin, donc on a le droit de couper, on a le droit de retourner la peau. Et ensuite, même faire la Metzitsa. Metzitsa, c'est qu'on va aspirer. Littéralement, sucer, aspirer. Il y a, comme ça, la Gemara, elle explique, je ne sais pas si c'est prouvé aujourd'hui médicalement, j'en sais rien. Mais en tout cas, lorsqu'on a fini de couper, de faire le Brit Mila, le moelle, il doit aspirer le sang pour faire monter le sang qui était à l'intérieur, pour le faire sortir dehors. Mais c'est une refoua. C'est un moyen de le guérir. Si on ne fait pas ça, on peut mourir. Comme ça, la Gemara le rapporte.
Donc ça, tu as le droit de le faire pendant le Shabbat, même si c'est plus du tout de la Brit Mila, ça fait plus partie de la mitzvah elle-même, mais c'est nécessaire pour le faire, pour que le bébé, pour que la Mila se finisse bien. Donc on a le droit de faire sortir le sang. Benotnin alea isplanit, et t'as le droit aussi de lui mettre la isplanit. Isplanit, c'est la tarbochette, le pansement. Des kamoun, et aussi, il mettait apparemment du cumin, je ne sais pas si c'est quoi comme espèce précisément. Kimel shachouk. Le kimel, je sais pas, c'est la cannelle, je sais pas c'est quoi kimel. Le cumin, j'imagine, kamoun, comme ça en hébreu moderne en tout cas. Et voilà, et donc c'est des produits pour aider à ce que ça se referme mieux. Maintenant, la Mishnah m'enseigne, im lo shachak merev shabbat, lo es mishina venoten. Là, on a un petit chidouche. Si toutefois vous vous rappelez, dans la Mishnah précédente, on avait dit que ce que tu as pas fait, ce que tu pouvais prévoir avant Shabbat, tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat pour le faire. Dans notre Mishnah, à partir de maintenant, on va découvrir quelques permissions. Pas de transgresser franchement, mais de transgresser avec chinouille, de manière non conventionnelle, pour permettre ton bien que mal. En l'occurrence, Imlo Shachak Me'erev Shabbat, si tu n'as pas moulu le cumin, il fallait le mettre une vaguette en poudre, il n'a pas moulu le cumin, il est encore l'état brut. Il ne devra pas le moudre pendant Shabbat, mais quoi? L'O.S. Beshinav Venoten. Il pourra être l'O.S. auto, le mâcher avec les dents, l'écraser ainsi, le moudre ainsi, et puis après le mettre, le poser dessus. Il aura fait un chinou. Im lo taraf yain veshemen merav shabbat. De même, s'il n'a pas été toref, c'est qu'il n'a pas mixé, il n'a pas fait une mixture de vin et d'huile. On avait ensuite l'usage de prendre de l'huile et du vin, et de les mélanger très fortement pour ensuite les verser dessus. C'était la guérison de l'époque, le remède de l'époque. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas préparé cette mixture. Alors qu'est-ce qu'il devra faire? Il atteint Zebatsmo et Zebatsmo, il devra les mettre l'un et l'autre. Et au lieu, il ne pourra plus les mélanger les deux en même temps, mais il devra, alors littéralement, Michel me dit, tu verses le vin, puis après tu verses l'huile dessus. En réalité, la Gemara dit aussi, tu peux même aussi les mélanger les deux, mais un peu comme ça, sans faire le gros travail de mixer, de bien, mais de malaxer très, très fortement les deux ensemble. D'accord? Venosin la chalouk le chatrila. Et tu n'auras pas le droit, pendant Shabbat, de lui fabriquer chalouk, une tunique. En réalité, comme ce qu'on a expliqué pour la pria, pour que la peau ne revienne plus en arrière, on avait l'usage d'utiliser un pansement spécial. On prenait un bout de tissu, on mettait un trou dedans, on faisait entrer la tara dedans, et puis après, le pansement, on le rapporte en arrière, comme ça, ça fixe la peau pour qu'elle se soude, et on fermait le tout, bien sûr. Et maintenant, la Mishnah me dit, tu sais, si par contre, tu n'as pas préparé ce pansement très spécial, tu ne pourras plus le faire pendant Shabbat. Mais tu aurais une autre solution. De faire quoi? Tu ne pourras plus le fabriquer. En aussi, la chalouk le chatrila, tu ne pourras pas lui faire ce pansement adapté. Les chatrila, a priori, tu n'auras plus le droit de le faire. Mais par contre, à Valkoré Khalasman, tout, tu pourras prendre un petit bout de tissu comme ça, et tu le fermes dessus. L'agma met en garde de faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de petites fibres qui vont déplacer, sinon ça va se coller dedans pendant qu'on va le. Quand ça va se ressouder, après ça va rester bloqué, on risque de tout arracher, de lui faire des grands dégâts. Donc il fallait prendre un tissu très spécial, faire attention à ses rebords, à ce qu'ils ne reviennent pas, qu'il n'y ait pas des fils qui dépassent. Mais en tout cas, tu prends un petit bout de tissu et tu fais le pansement avec. Imlo itkin me'erev Shabbat. Maintenant, il est venu, il a fait le brit mila, mais là, c'est au moment de faire le matin, il a réalisé qu'il n'avait pas porté ce petit bout de tissu, ou bien ce pansement adapté. Alors, il pourra le transporter, pas sur la voie publique, mais d'une cour à l'autre, qui est un interdit midrabanan, avec un chinoui, comment il devra le faire? Korech aletzbao, il le tournera, korech c'est l'entourer, sur son doigt, ou mevi, le transportera comme ça. C'est avec un chinoui, il le met comme si c'est derrière malbouche en fait. Comme si il veut se couvrir le doigt parce qu'il a froid au doigt, même si on n'a pas le droit de porter comme ça pendant Shabbat. Il y a même entre parenthèses, le Rabbi Kiveger rapporte que le Ran et le Ramban permettent même de porter comme ça dans le Reshut Arabim. Ouais, même dans le Reshut Arabim. Dans les autres Mefarshim, c'est que d'une cour à l'autre, dans des endroits qui sont que interdits Midarabanan, même s'il n'y a pas de Hérouf. En tout cas, il le met comme si c'était un Malbouche, derrière Malbouche donc, ou Mevio, va filmer Khatsarat, même d'une autre cour. Il pourra le transporter de la sorte, même s'il n'y a pas de Hérouf. C'est une certaine permission qu'on lui a fait, étant donné que. Ça repousse en fait. C'est autant que la Mila le repousse le Shabbat. Le nécessaire pour le guérir, qui est même plus directement lié à la Mila, on te permettra de le faire avec Shinui. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Slacha Koltou. Salam.